rocher. T'as vu le problème des décrochés, c'est pas une légende. Hein. Et ça, c'est à cause de la tresse. Hein. Eh oui, pêcheurs de truites, que ce soit hauleur ou au toc, on a tous connu des décrochés à répétition. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un petit topo là-dessus, un petit retour d'expérience sur ce que moi j'ai compris et mon avis sur la question. Ce qui nous amène à la question suivante. Tresse ou nylon? Donc pour ceux qui viennent du toc, pas trop de questions à se poser. Qu'on pêche au toc ou au mormanier, en général c'est le nylon qui va l'emporter. Question de tradition, mais aussi question de simplicité. Ceux qui viennent du carnassier, eux, ils vont se poser beaucoup plus de questions, ils vont avoir une autre approche. Quand on est en nylon, on a une absence quasiment totale de ressenti du leurre dû à l'élasticité de la ligne, et ça a un impact direct sur la qualité de l'animation. On a aussi un gros manque d'infos au niveau des touches, et je ne parle même pas des distances de lancer qui sont très réduites par rapport à de la tresse. A contrario, quand on pêche en tresse, on a énormément de décrochés, surtout si on veut pêcher sans ardillon. Alors pour moi, la solution, elle est simple. D'abord, on analyse son matos, et en particulier sa canne. Parce que l'action de la canne va avoir un impact direct sur l'élasticité de la ligne et donc le taux de décroché. Il existe trois types d'actions de canne. Les cannes rapides ou fast, voire extra fast. Pour moi, très mauvais choix pour la truite. C'est des cannes qui piquent sur un tiers. Et elles sont complètement incapables d'amortir les coups de tête détruites lors d'un saut. Dans ce cas, à mon avis, il vaut mieux choisir un bon nylon. Deuxième famille de cannes, les cannes d'action parabolique, celles qui plient sur toute leur longueur, ont l'inconvénient d'avoir un gros manque de sensibilité. Ressenti de leur amoindri, pour moi, dans ce cas, une tresse peut être un avantage. Et pour finir, on a les cannes semi-paraboliques, ou medium fast, qui plient sur leur moitié, qui sont des cannes intéressantes, un bon compromis. Elles vont permettre de garder une bonne sensibilité avec la tresse, mais l'élasticité reste insuffisante. Donc à ce niveau, moi j'ai une petite solution, une petite astuce, que j'ai mis en pratique depuis à peu près un an, et qui m'a amené pas mal de résultats. Ça m'a permis de décrocher beaucoup moins de poissons, mais de garder la sensibilité avec mon leurre. Donc c'est un fluorocarbone, mais qui a la particularité d'être élastique. Alors vous allez me dire pourquoi pas mettre un nylon. Mais attention, c'est différent. Le fluorocarbone, déjà on a l'avantage d'avoir une visibilité réduite dans l'eau. Et ensuite on a quand même un fluorocarbone qui est vachement moins élastique que nylon. Donc couplé avec une canne medium fast, ça va nous permettre d'avoir un ensemble qui reste très tactile, mais un peu élastique, suffisamment pour gérer un combat avec une truite au leurre, sans ardillon, et limiter les décrochés. Donc à l'occurrence, moi j'utilise le fluorocarbone High Stretch de chez Asso. Donc Asso, pour ceux qui connaissent, c'est une très bonne marque, très réputée. C'est un fluoro très haut de gamme qui est aussi utilisé pour la pêche débrochée afin d'amortir les à-coups des growers lors des lancers, ce qui casse les lignes. Mais il existe aussi dans des diamètres beaucoup plus faibles. Moi j'utilise du 20 centièmes et pour l'instant ça m'a réussi plutôt. Alors évidemment, tout ça n'est que mon avis tiré de mon expérience perso.
Si vous avez d'autres avis ou des questionnements, n'hésitez pas à laisser un commentaire, constructif bien sûr, et moi je vous dis à bientôt à bord de l'eau.